Pour les effets spéciaux, il y a plus de préparation, par exemple, que pour la musique ou n'importe quelle autre scène. Parce qu'il faut que le stock qu'on a, il faut que la scène soit tournée pour ça. Faut qu'il y ait la place de prévu pour ça. On prend la scène avec Greloche puis Fedoff dans sa petite soucoupe volante. Le cadrage, il faut que ça ait fait en conséquence de la soucoupe, même si on ne la voit pas, c'est ça qui est difficile. Là. Parce qu'en tournant, on le sait qu'il va y avoir la soucoupe de là à là, mais en le tournant, il n'y a rien. Fait que c'est facile à oublier. Mais même que tu arrives pour le monter, tu vas être dans le trouble. Là. J'aime le fait qu'on est parti de Star Wars puis que là, on a fini par changer tout ça. Parce qu'au début, c'était comme inspiré totalement Star Wars. C'était tous les éléments de tout ce qu'on voit là-dedans. Puis vu que ça a grossi puis que l'histoire s'est tranquillement détachée, puis on est rendu carrément ailleurs. Qu'est-ce qui reste à part de ça de Star Wars? Certains modèles de vaisseaux. Parce que tout ce qui est 3D, je suis capable de l'animer, de l'éclairer, de le monter. Mais j'ai zéro talent pour créer les modèles comme tels. Fait qu'il y a des banques qui sont sur Internet gratuites d'objets 3D. Il y en a certaines qui sont vraiment très détaillées. Tu as le droit d'aller chercher, tu as le droit de faire qu'est-ce que tu veux avec tant que tu ne fais pas d'argent avec ça. C'est un rêve inavoué d'enfance, c'était de manier le sabre laser. T'sais. Fait que là, ben, on avait comme l'opportunité. Fait que je me suis un peu têté un rôle dans le film. Puis bon, j'en aurais appris plus. Comme là, ben, je peux-tu le dire, dans le nouveau film, il n'y en a pas de sabre laser. Il n'y en a pas. Puis là, j'étais triste, tu sais, pour ça. Ça va faire! Moi, j'étais assis sur une chaise bien normale avec des manettes de PlayStation à faire des mouvements. Là. Mais fallait que je m'imagine d'une soucoupe volante. Donc, puis moi, mon rôle dure 2 minutes. Ce qui me faisait dire, ce qui me faisait faire, c'était évidemment sur un fond vert. Donc, je savais pas trop ce que je faisais. Je sais pas trop là, ce que ça m'a donné, je le savais pas trop. Mais ça a été une expérience spéciale parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Donc, c'est un extraterrestre, je crois, qui contrôle un gros méchant. Voilà, c'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle, finalement. C'est pas évident, tu sais, de dire, là, il y a un vaisseau qui s'en vient sur toi, ou bon, là, faut qu'on sente que tu vas te faire rentrer dedans, mais il y a rien, là, fait que, tu sais, bon, faut faire une expression surprise, là, bon, on fait ce qu'on peut, en fait, puis après ça, ben Jean fait des miracles. Dans le fond, on s'en sort pas mal toujours bien. Là. On fait semblant d'arrêter un laser avec l'épée, puis il rajoute le laser, puis il pogne drette l'épée. Là, y a jamais, on manque jamais notre coup avec ça. Non, pour ça, c'est sûr que c'est pas super évident avec l'écran vert de s'imaginer qu'on est dans un vaisseau. Tout ce qu'on a, c'est une manette de jeu vidéo, puis... Puis en fait, on n'a pas de hublot, on n'a rien. On ne voit pas, la planète en dessous. Là, il rajoute tout ça par après. Il y a des effets très simples qui... je veux dire, la séquence au complet peut être bâtie en 2 jours. Puis elle va être finale, puis elle va être lockée. Puis de même, on l'aime comme ça. Tandis que tu vas pogner une autre 8 secondes. Puis sur ce 8 secondes-là, tu peux taponner un mois. Bon, et une explosion plus dans cette scène-là, ça serait donc bien cool. Elle n'était pas prévue. Regarde, c'est pas grave. On en rajoute une, c'est tout. Quand tu n'as pas de compte rendu à donner à un producteur ou un budget à justifier à un studio, c'est facile. Ça serait cool, une explosion. Mais regarde, on la rajoute, c'est tout.